Alors, je commence par vous, Alexandra Kurtzak. C'est un plaisir de vous retrouver quelques minutes après cette répétition générale ici à l'Opéra Bastille. L'élixir d'amour, le français, ça va ? Oui, je comprends. Oui, mais elle comprend. Ok, ok. L'élixir d'amour, comme indiqué sur la partition, c'est un mélodrame joyeux, un mélodrame giocoso. Vocalement, c'est très complet. Il y a la sensualité, il y a le rire, il y a l'amour. À quoi est-ce que l'on fait attention quand on aborde un rôle comme celui d'Adina ? I think it's that the most difficult thing in this opera is that you are really a lot of on the stage with a lot of movements, a lot of things to play, and the most difficult thing is the aria, which is placed at the very end of the opera and after the famous one of the tenor. So it's even most difficult for soprano, really, because it's everybody's waiting for this piece. And it's sometimes you are talking about Traviata, Gilda, and other roles. Adina is a very, very difficult role because it, as you said, it has everything. You have to be a good actress, you have to be a good singer, to have a great cantilena, a coloratura, and to have the possibility to know how to build the atmosphere, like in the Prendi, the very intimate one. So it's very complex role. Everything is really difficult in this role. Alors un rôle très complexe, vous le dites, également on s'en rend compte quand on est dans la salle, dans l'énergie que ça demande aussi d'un point de vue de la mise en scène. Chanter l'élixir, c'est un défi réellement physique, pas uniquement vocal, Alexandra Kurtzak. Yes, absolutely it is. It's, for example, the same role like Susanna in Le Nozze di Figaro, I always used to say that I'm very tired after the performance, not my voice, but really my body and first of all my legs. And it's the same in this production. It's a lot of running here, so it's you have to be in good shape to do this, especially this production by Laurent Pelly. Alors on l'a dit, c'est une générale, magnifique générale. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on aborde une répétition, certes dans des conditions réelles du spectacle, mais une répétition tout de même, qui est une dernière preuve avant la première, avec un accordage. Dice come cosa idea di cantare un'ultima prova, così cosa pensi prima di cantare un'ultima prova? You know what, for me actually it was not a rehearsal. This is very difficult for the singers, for me particularly, that we take the general rehearsal like a first show, because if it's open with the public, and sometimes we give too much and then we are afraid before the opening night that, oh my god, if it will be as good as not. I always like when something in general rehearsal is not top. Today I find few things that I wasn't very happy about myself, so it's a good sign for the opening night. Roberto Alagna, c'est un plaisir évidemment aussi de vous retrouver ce soir. À Paris, dans l'élixir d'amour, c'est la première fois, ça fait. Oui, c'est la première fois que je chante l'élixir d'amour à Paris. Et je suis ravi parce que c'est mes débuts donc dans l'élixir, mais au début aussi avec Alexandra. C'est ses débuts ici à la Bastille. Et je dois dire que je suis heureux parce que cet ouvrage est un ouvrage magnifique. C'est un ouvrage pétillant, plein de gaieté, plein de bonne humeur, avec une fin heureuse. Et c'est très rare à l'opéra. Et je dois dire que la réaction du public ici à la Générale a été formidable. Et c'est vrai que vous demandiez tout à l'heure, Alexandra, l'état d'esprit avant une Générale. Mais pour nous, une Générale, c'est une première. Aujourd'hui, c'était un spectacle pour nous. On s'est donné à fond. On a donné tout ce qu'on avait à l'intérieur de nous, les tripes. Et puis, on sent qu'il se passe quelque chose entre les protagonistes. Aussi bien entre Alexandra et moi, mais aussi avec Ambroge, avec Mario Cassi, enfin tout le cast. Et avec le chef, et avec les choristes, et aussi avec le public. Il y avait un vrai échange, et quand c'est comme ça, ben, tout devient magique. L'élixir d'amour, c'est un opéra, effectivement, où on retrouve beaucoup de parties chorales, les solistes, l'orchestre. Néanmoins, ça reste un joyau du répertoire belcantiste, dans une salle comme la salle de la Bastille, presque 3000 personnes. Oui. C'est peut-être pas forcément les meilleures conditions, c'est, ça rend la chose plus difficile pour les soirées. Non, ce qui est difficile, c'est le décor, parce que nous avons un décor très ouvert. D'accord. Donc le premier décor avec les bottes de foin, de paille, mange l'acoustique. Ça vous pouvez imaginer parce que et comme c'est ouvert complètement, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de les voix se perdent un petit peu. Donc c'est vrai que dans un lieu comme la Bastille, c'est un peu difficile. Mais en même temps, l'acoustique de la Bastille est formidable quelque part. Si vous chantez avec une voix claire, bien timbrée, bien projetée, ça passe. Ce qui est difficile pour nous, c'est que souvent, on n'entend pas les rires. Alors, vous avez l'impression que le gag ne marche pas. Et ensuite, quand vous parlez avec les gens, on s'aperçoit qu'ils rient. Mais c'est tellement loin que les rires n'arrivent pas.
Alors que quand nous l'avons chanté à Covent Garden, on entendait le rire des gens. C'est ça la difficulté. Mais je pense que ça fonctionne parce qu'ici, la mise en scène, le décor, c'est un peu comme dans un film. On a l'impression vraiment de voir un film en 3D. Roberto Alagna, je me souviens vous avoir entendu dire il y a quelques temps qu'à l'opéra, un chanteur se bat notamment contre les fantômes des grandes voix du passé. Et lorsqu'il reprend un rôle qui a été une de ses meilleures incarnations du Zachary, il se bat aussi contre lui-même. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un petit peu le cas aussi avec ce personnage de Nemorino? Si, c'est vrai parce que c'est un personnage que j'ai chanté beaucoup en début de carrière. Et lorsqu'on aborde un répertoire large comme celui que j'ai abordé avec Othello, Turandot, Aïda, enfin tous ces ouvrages-là, Les Troyens et encore cette semaine Vasco de Gama, on se dit mais est-ce que je vais pouvoir encore chanter ce répertoire? Parce que souvent, vous savez, quand on va dans un répertoire plus dramatique, on laisse tomber le répertoire plus léger. Mais je crois que c'est une erreur. Moi, je pense que, au contraire, essayer de trouver la jeunesse, la clarté, c'est un baume pour la voix. Et je dois dire que ce soir, ça a marché. Je suis vraiment ravi parce que, je ne sais pas, c'est peut-être Alexandra qui me donne ce baume au cœur qui permet de me dépasser et de retrouver une seconde jeunesse. Alexandra Courtin, j'imagine que cette question est battue et rebattue, mais le mari à la scène, mari à la ville, ça aide pour ce genre d'œuvre en tout cas. Il marito sulla scena anche nella vita privata aiuta o? I don't think about this at all on the stage. On the stage, it's an artist. It's like a colleague. We don't put our private life on stage. No, we were just we are playing the personage. Of course, when he sings the aria, I'm backstage. I'm more curious and maybe more nervous. It would be a normal only the colleague, the tenor, but no, I don't think like this at all. Roberto Alagna, vous le disiez, vous avez abordé ces derniers temps des rôles plus lourds, des rôles dramatiques. Comment réagit la voix quand on aborde justement un personnage comme celui de Nemorino? Vous avez entendu ce soir, j'avais lu quelques articles où des gens avaient un peu peur en disant oh, il a chanté des ouvrages lourds, comment il va pouvoir s'en sortir dans Nemorino. C'était la même chose en 2012, vous savez, où j'étais moi plus inquiet parce que ça faisait 17 ans que je n'avais pas chanté ce rôle et je revenais après 17 ans dans un rôle que j'avais chanté au début de carrière. Mais là, je savais que ça fonctionnerait parce que j'avais préparé la voix en allégeant et puis depuis quelques années, je fais un effort sur moi-même, c'est-à-dire de trouver une sorte de couleur claire parce que je me suis aperçu que la clarté était la jeunesse de la voix. Voilà, qu'une voix, il ne faut surtout pas essayer de la rendre sombre ou grosse parce que c'est tuer cette voix. La voix, il faut, pour avoir une vraie santé de voix, il faut la garder claire comme les grands ténors et même les grands chanteurs du passé qui... Même s'ils étaient basses, baryton, ils chantaient tous avec une voix claire et brillante pour avoir cette jeunesse. On dit souvent, et à juste titre, je crois qu'un enregistrement, c'est une empreinte sonore, en tout cas d'un moment. Vous avez enregistré L'Élixir d'amour. Deux fois, oui. Oui, ça vous dirait de faire une troisième? Ah oui, bien sûr, j'aimerais. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de faire un DVD, parce que là, il faut le voir aussi. Yes. L'Élixir, c'est pas seulement écouter, il faut le voir. Et surtout quand on a un jeu et un cast comme ici, c'est dommage de ne pas voir ce qui se passe sur scène et de l'immortaliser pour toujours. Parce qu'il y a vraiment, je vous assure, une joie et un bonheur de partager la scène avec les collègues et de vouloir se dépasser les uns avec les autres et puis de chacun veut offrir un peu plus à l'autre. Ça, c'est assez formidable. Courage, il m'en reste deux. La vision artistique ne s'arrête pas avec le disque, alors enregistrer et réenregistrer un rôle comme celui de Nemorino, pourquoi pas. Néanmoins, j'ai l'impression que la musique, à travers le disque ou à la scène, ça demande de toute façon une grande discipline. On ne cesse jamais d'apprendre, en quelque sorte. Je crois que c'est le ténor italien Franco Corelli qui disait avoir trouvé son aigu en chantant dans sa chambre avec un disque de Caruso. Alors, Roberto Alagna, quels sont les aigus du passé, les contrutes du passé avec lesquelles vous avez appris ou vous apprenez? Moi, j'ai toujours travaillé avec les disques, avec les chanteurs du passé, parce que je crois que chacun de nous, ce sont les meilleurs professeurs d'abord. Il faut les écouter. C'est vrai que les grands chanteurs du passé écoutaient énormément. Aujourd'hui, dans les conservatoires, on dit aux jeunes de ne pas écouter les disques. Je crois que c'est une erreur. C'est comme si un écrivain ne lisait pas les livres des autres. Donc je pense qu'au contraire, il faut écouter, ensuite il ne faut pas imiter. Mais si on sait imiter et ensuite se défaire de ça, ça peut être aussi au contraire un bienfait. Alexandra Kurczak, la didactique par le disque, la formation de l'oreille par l'enregistrement, vous aussi, vous y croyez, vous connaissez, vous aimez? I'm a bit different type of singer maybe because I'm really a child who grew up in home of music. My mother is an opera singer as well. So my father used to play in the orchestra, so they always used to take me to the opera. So I really was growing with the opera all the time. I had this
So and then I started playing violin. So I really didn't listen to the opera at home, to the CDs, to the cassette at the time, because I really somehow the environment, theater, opera, it was very natural for me. But I have to admit that with Roberto, I started listening more. Before I wanted always to discover in myself, in my body, what I'm doing wrong, why I'm doing, how I'm doing. But now I think it's really through what he's saying. The listening to the great singers of the past helps a lot. Roberto Alagnac, quand on interprète un rôle en scène, est-ce qu'on l'écoute encore au disque en même temps? Ah oui, bien sûr. Moi, il n'y a jamais un jour sans écouter. Aujourd'hui, on a un instrument incroyable, c'est YouTube. Parce que vous avez tout ce que vous voulez sur YouTube. Avant, moi, j'ai toujours ma collection d'enregistrements, j'en ai énormément, mais je dois dire que YouTube, c'est infini, et donc tous les jours, on découvre quelque chose. Et si j'avais eu cet instrument lorsque j'étais étudiant, peut-être que je serais devenu un grand ténor. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mille fois à vous.